Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Track Day. Aujourd'hui au programme, une voiture de légende à peine sortie, la Ferrari 488 GTB. Ce modèle évolue également dans le championnat du monde d'endurance dans sa version GTE et vous pourrez le retrouver au Mans. Mais ici, c'est la version routière et plus particulièrement la Spider, c'est-à-dire sans toit, que nous allons tester et faire glisser sur la piste de Spa-Francorchamps. Pour un poids de 1370 kg et une puissance de 660 chevaux, la voiture pointe à plus de 340 km/h de vitesse de pointe et affiche un 0 à 100 en 3 secondes. De quoi faire rêver avec ce moteur de 3,9 litres, vraiment, elle est magnifique. Mais au niveau du comportement, vous n'allez pas être surpris puisqu'il s'agit tout simplement du comportement de la Ferrari 458 développée de base par Cuno Simulazione et Assetto Corsa. C'est la voiture qui a été utilisée pour recréer ce modèle-ci et sincèrement, c'est plutôt correct. Le détail est assez fin, ça ne demandait pas énormément de travail pour améliorer cette 458 en 488. En tout cas, elle est belle, elle est rutilante, elle est proposée dans beaucoup de couleurs, donc vraiment de quoi faire de belles photos. Moi, j'ai préféré la prendre en blanc, ça change un petit peu des Ferrari rouges. Un mode disponible dans la description, c'est totalement gratuit. La piste de Spa-Francorchamps est quant à elle de base dans Assetto Corsa. Vous connaissez la tradition dans Track Day, on profite, on regarde les images et surtout, on monte le son.